Good morgen, allez Iden, le tutsu aujourd'hui, les Lounishmat, Morid Rabbi Reb Shmuel, Ben Reb Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, et Richa Batraim Nechemia. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Demisha, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Horayot, Perik Bet Mishnah Dalet. El Chayavin, Alase Valalota Asheche Bamigdash, Ven Mevin Hasham Taloui, Alase Valalota Asheche Bamigdash. Aval, Chayavin, Alase Valalota Asheche Benida, הוא מבין השם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנידה. איזו היא מצוות עשה שבנידה? פרוש מן הנידה. הוא מצוות לא תעשה, לא תבוא אל הנידה. משנה סימפל, מי הקונדיציון דקונטר, פלוזיורס אינטרודוקציון. כלכוס אינטרודוקציון, אין ג'נרל סור דיפרנט טיפ דה קורבנות, חטאת קבועה, חטאת עולה ויורד, והשם תלוי. Et ensuite, il va falloir apporter des précisions sur une avéra particulière qui s'appelle la Toumat Mikdash Vekodeshav, qu'on a appris longuement lorsqu'on apprenait Masechet Shvuot dans le premier et deuxième chapitre. Et après, introduire quelques notions par rapport à l'interdit de Nida, d'avoir un rapport avec une femme qui est Nida, qui a ses règles menstruées. On commence d'abord avec la première introduction générale sur les trois types de korbanot, Khatat Kvua, le Khatat fixe, à la différence du Khatat Ole Veyored, que le khatat de celui qui monte et qui baisse. D'abord, on explique d'abord le deux, on parlera du Hashem Taloui. Alors, pour la plupart des averot, chaque fois qu'on est passible de karet, de retranchement, si on le fait bemezid, lorsqu'on le fait beshogeg par une advertance, alors la Torah nous dit d'apporter un korban khatat. Quel que soit le rang social de la personne, il devra apporter une kisba ou une seira, une chèvre ou une brebis. Bien sûr, sauf si c'est le Kohen Mashiach ou le Nasi, bien évidemment. Mais on parle par rapport au rang social entre les riches et les pauvres. D'accord? Ça, c'est pour la plupart des fautes. Il y a pour certaines avérot, qui se trouvent dans le Perek He de Vaikra, certaines avérot où la Torah nous a dit « Bemezid, tu es passible d'un karet, si tu le fais Beshogeg, tu devras apporter un korban khatat ole veyored. » Une expiatoire qui est ole veyored, littéralement, qui monte ou qui descend, c'est-à-dire dont le prix peut être soit cher, soit pas cher. C'est-à-dire, la Torah a laissé la possibilité, si tu es aisé, t'apportes une kisba ou une seira, une chèvre ou une brebis. Si toutefois, c'est un de rang moyen plutôt pauvre, alors il devra apporter shtetorim ou shne bnei yona, deux tourterelles ou tourtereaux, je ne sais pas comment ça se dit, shtetorim ou shne bnei yona, ou deux pigeons. Et s'il est vraiment très pauvre, la Torah a même laissé la possibilité aussi d'apporter une mincha, une oblation de blé, de semoule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un khatat ole veyored. Ok? Ça veut dire qu'on se fait aussi expier comme un khatat, mais cette façon, on a la possibilité de l'apporter même bedalout, ce qu'on appelle, même si on est pauvre, ou bedalé dalout, si on est très très pauvre. Maintenant, le hasham taloui, c'est une autre forme de korban. Un korban hasham, c'est une autre espèce de korban. On devra apporter non plus une kisba ou seira, une brebis ou une chèvre, qui est entre parenthèses une femelle. À la différence de là, on devra apporter un haïl, le hacham, eila hacham, la Torah le dit plusieurs fois. Le haïl, haïl c'est un bélier, c'est un masculin, et c'est spécialement des moutons. Non, au contraire, des chèvres. Ouais, désolé, j'ai pas grandi à la campagne. Donc, haïl, d'accord? C'est comme celui d'Abraham Avinu, quoi. Qu'est-ce qu'il a trouvé Abraham Avinu? Il a trouvé un bélier. Je sais pas c'est quoi le bélier, c'est avec la barbichette ou c'est l'autre. C'est le bélier. Ok, un bélier. C'est le haïl. Et il faudra l'apporter. Alors, dans quelles conditions on apporte un hasham taloui? Le hasham taloui, on l'apporte lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une faute sur laquelle on est possible de karet bemezid, et on s'est trompé, on ne savait pas est-ce que c'était ou c'était pas. C'est-à-dire, j'avais par exemple le cas plus classique où il n'y a pas de marchloquette dessus, c'est le cas où il y avait deux morceaux de gras posés sur la table, un qui était du shuman et l'autre qui était une graisse interdite du chelev. Et je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris. J'en ai pris un des deux, j'ai fait un sandwich, j'ai mangé. Et le lendemain, je réalise mon erreur, mais je crois que j'ai pris le relève. Je repars vite voir sur la table qu'est-ce que j'ai laissé. Il n'y a plus personne qui a rien appris, il a jeté à la poubelle ce qui restait. Je ne sais pas ce que j'ai transgressé ou non, un chiouv khatat, ou j'ai rien fait de mal. Alors dans ce cas-là, la Torah m'a dit, tu devras apporter un hasham taloui. Apporter donc un haïl, un bélier, avec en plus de ça, bon, il y a eu une manière spéciale de l'apporter qui n'est pas comme le khatat. Le khatat, on donne le sang sur les quatre coins du misbéach. Pour le hasham, on donne « J'tem matanot shen arba » pour ceux qui lisent la Mishnah de Zemekoman shel Zevachim le matin avant la Tfila.
c'est explicite. Comment est-ce qu'on fait le Hacham, Shtaim, Shenarba, donner deux Matan Damim, par rapport au Khatat, où on monte sur la rampe, et là-bas on met du sang, le Kohen il mettait du sang sur les quatre coins du Mizbeach, c'est une manière différente de la porter. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un Hacham. On a fini maintenant, on met ça de côté, donc retenez bien les Korbanot, un Khatat Kvua, Khatat Olev Yored, et le Hacham Talouy. Il y a plusieurs sortes de Hachamot, mais il y en a un qui s'appelle le Hacham Talouy spécial, qu'on apporte lorsqu'on a un doute. Talouy, Zetalouy, peut-être que oui, peut-être que non, comment dire en français, en hébreu. Zetalouy, ça dépend. Peut-être, oui, ça se sent en suspens. On ne sait pas exactement. On ne sait pas est-ce qu'on a fait une faute ou pas. Maintenant, on va apprendre deux halakhot maintenant qui concernent la Toumat Mikdash avec Kodeshav, des notions qu'on apprenait quand on était à Masechet Shavuot. Ça monte à. Il y a un petit morceau de temps. Chez moi, ça fait un petit pavé de livre. Alors, lorsque l'on est impur, on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Même principe entre parenthèses, on n'a pas le droit non plus de manger de la viande qui est Kodesh. Mais on va se concentrer uniquement sur le Beth Amikdash, c'est le même principe. On n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash si on est impur. Et si on est entré, on transgresse un issur sur lequel on est passible de Chiyuv Karet. Si on est passible d'un Chiyuv Karet, alors il faudra apporter un Korban Khatat si on est rentré par erreur. Maintenant, il faut savoir, ce korban khatat, c'est un korban khatat olev et yored. Ok, pour le moment, tout va très bien. Donc, je suis entré au Beth Amikdash en me trompant. J'ai oublié que j'étais impur. Je suis entré au Beth Amikdash, j'apporte un korban khatat olev et yored. Clair ? Autre notion, encore qu'il faut savoir, si je suis dans le Beth Amikdash et je deviens pur à l'intérieur du Beth Amikdash, peu importe, il y avait là-bas une souris morte, c'est un des Shemoneh Shratim, une souris morte, je l'ai touché. Alors maintenant, j'ai une obligation de sortir très vite du Beth Amikdash. Si je sors vite par le chemin le plus court, je ne transgresse aucun interdit. Si toutefois, je traîne sur place, ou encore, tout simplement, je prends un chemin plus long pour sortir, même si je le prends en courant, je prends un chemin plus long pour sortir, je dois sortir par la porte la plus courte. C'est mon obligation. Si je sors par une porte qui est plus éloignée, je transgresse pour cela un interdit, et j'aurai un devoir d'apporter un korban. Khatat, Olev et Yored, le même principe, puisque ça s'appelle que je suis resté impur dans l'enceinte du Beth Amikdash. Ok ? Alors maintenant, on peut commencer à lire. Et ne pas entrer au Beth Amikdash, c'est un interdit de la Torah. Le devoir de sortir le plus vite, c'est exprimé sous forme. La Mishnah est exprimée sous forme de assez d'obligation positive de vite sortir le plus vite possible. Mais c'est le même principe, on transgresse concrètement le même interdit de la Torah. Donc la Mishnah nous enseigne comme ça. En chayavin al assez val lota assez chez Beth Amikdash. Alors, on n'est pas passible d'apporter un par Helem Davar chez Tzibour lorsque le peuple d'Israël entier s'est trompé dans ces avérotes-là à cause du Bedin, de ne pas entrer au Beth Amikdash. C'est-à-dire, je m'explique. Si le Bedin, le Sanhedrin de Yerushalayim, nous enseigne qu'on a le droit de manger telle graisse et qu'il s'est trompé, on devra apporter la faute nationale et le. On aura transgressé une faute nationale et on devra apporter le sacrifice national. D'accord ? Comme ce qu'on a longuement introduit déjà. Eh bien, lorsque sur une faute, on n'est pas passible d'un korban khatat classique, une khatat kvua, mais on est plutôt passible d'un khatat olev et yored, qui peut être apporté, donc, même pour les gens plus pauvres, en l'occurrence, lorsqu'on transgresse, par exemple, le fait d'être rentré au Beth Amikdash à cause du Bedin. Le Bedin nous a enseigné, par exemple, que si on a touché une souris, on est impur, mais si on a touché on est impur, mais si on a touché un serpent, on reste pur. Il s'est trompé. En réalité, lorsqu'on touche le serpent, on est aussi impur. Donc le Bedin s'est trompé, il a donné cette instruction. Suite à cela, tout l'homme Israël est entré au Beth Amikdash. À cause de la Hawat Bedin, et ben dans ce cas-là, le Bedin ne devra pas apporter lui-même le par Helem Davar Shel Tzibur. Pour quelle raison? Parce qu'on a transgressé tous ensemble une faute sur lequel on n'est pas passible d'un khatat kvua, mais d'un khatat olev et yored. Sur lequel on n'est pas passible d'apporter un expiatoire kvua fixe pour tout le monde, mais un khatat sur lequel que la Torah laissait la possibilité de l'apporter aussi, au lieu d'apporter une kisba osaïra, on peut apporter aussi un torim, on peut l'apporter bedalout. De ce fait, c'est plus le même niveau de faute. La Torah n'a pas dit que dans ce cas, on pourra apporter un par élève d'argent. C'est bon, c'est déduit de psukim, je ne le retrouve plus, il y a marqué VHM, je ne sais plus, c'est ça rapporté, c'est plus rapporté dans le porteur en violette. D'accord ? C'est déduit de psukim en tout cas. Ok, c'est clair ? Même principe encore.
Ve'en mevin hacham talouy ala seval lota sechem amigdash. On n'apportera pas de hacham talouy, de korban que l'on apporte lorsqu'on a un doute et qu'on est transgressé, sur le assez ou lota sechem amigdash, sur le fait d'avoir transgressé le lota assez de ne pas entrer au bet amigdash, ou encore le assez, l'obligation de sortir le plus vite possible du bet amigdash. Si on a transgressé cette faute-là, on ne devrait pas apporter un hacham talouy. D'accord ? On a fait une traduction maintenant proche du texte. Je leur explique le principe, il est très très simple. Je rappelle la grande règle. Lorsque je transgresse lorsqu'on transgresse, en l'occurrence, on va prendre tout de suite le cas de la nida, comme ça on introduit à la suite. D'accord ? Pour une nida, si le bedin s'est trompé, nous a enseigné qu'on avait le droit, dans une certaine couleur de sang, le bedin a dit, cette couleur-là, c'est ça, là, une couleur pareille, c'est pas du rouge, en fait, c'est du sang pur. Donc du coup, il y a eu plusieurs femmes qui ont eu cette couleur qui leur est sortie. Du coup, les maris ont fait leur mitzvah tabait, et il s'avère qu'après, le bedin s'est trompé. Alors, puisqu'ils se sont trompés à cause du bedin, ils devront apporter un korban, un par et l'emdavar shel tzibur. Notion très claire. On le connaît bien, c'est ce qu'on apprend depuis le début. Et bien, la Mishnah vient nous dire, sachez que si vous vous trompez et vous transgressez une avera sur laquelle on n'est pas passible d'un khatat kvua, mais juste d'un khatat olev et yored, vous ne serez pas passible d'apporter un par élève d'avar shel tzibur, premièrement, et deuxièmement, si vous avez un doute sur une situation pareille, par exemple, tu ne sais plus est-ce que tu as touché le sheretz ou est-ce que tu as touché quelque chose d'autre qui était un autre animal, un petit lapin qui était mort. Le lapin ne rend pas impur si on le touche. C'est une certaine forme d'impureté, c'est pas la même toile du sheretz. Quelle petite nuance. D'accord ? Donc tu ne sais plus si tu as touché un sheretz ou pas, ou tout simplement parce que le sheretz était mort ou il n'était pas mort. T'as un doute, est-ce que tu es devenu impur? Le chéret, ça rend impur que s'il est mort. Donc t'as un doute, est-ce que tu es devenu impur ou pas? Et ensuite, t'es rentré au Beth Amigdash, t'as un doute, est-ce que je devrais apporter un korban Hacham Talouy? Réponse, non. Pourquoi? Parce que si j'avais certainement été transgressé à l'interdit, j'aurais pas dû apporter un korban Khatat Kvua, une Kisba Oseira, puisque c'est un korban Olav Yored. Dans ce cas-là, lorsque tu as un doute, est-ce que tu as transgressé, tu ne devras pas apporter de korban Hacham Talouy. Ok? Maintenant. On continue maintenant sur la Nida. Aval Chayavin al Asse ve al Lota Asse Sheba Nida. Par contre, on est passible d'apporter un korban par Helem Davar Shel Tzibur. Si on a fait la faute nationale, on devra apporter le korban national sur la Nida. Parce que pour celui qui a un rapport avec une femme Nida, avec sa femme, alors qu'elle était Nida, il est passible d'un korban Khatat, Kvua, fixe. Tout le monde apportait la même. De ce fait, si on s'est trompé à cause du Beddin, alors le Beddin devra lui-même endosser la responsabilité et apporter le sacrifice national, d'accord, le parrain d'Avar Shel Tzibur, et aussi au Mevim, Hacham Talouy, Alasé, Valolota Asé, Shebanida. Il faudra aussi apporter un korban Hacham Talouy sur un Asé, un Lota Asé, de l'Anida aussi, c'est-à-dire si j'ai un doute, est-ce que, imaginez que j'ai deux femmes, une, je sais qu'elle était impure, et l'autre qui était pure, et il a eu un rapport avec elle, avec une, il ne sait plus avec laquelle, est-ce qu'elle est partie chez la pure ou l'impure, il s'embrouille, il devra apporter un korban Hacham Talouy. Est-ce qu'il a un doute? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il a eu un rapport avec une femme Nida ou non? D'accord? Ok? C'est clair? Il manque un petit détail à préciser, c'est quoi? Le assez et le lota assez. Et la Mishnah, elle est gentille, c'est elle-même qui va nous le dire. Ezo y mizat assez sheba nida, proche mina nida. Ou mizat lota assez, lota vo el anida. Je préfère commencer par la fin. La Mishnah nous dit, c'est quoi la mizvat assez sheba nida? La mizvat positive de l'anida, proche mina nida. Retire-toi de l'anida, on va expliquer. Écarte-toi de l'anida. On va expliquer c'est quoi tout de suite. Mais d'abord, je préfère expliquer la suite. Ou mitzvat lota assé. Et c'est quoi une mitzvat lota assé? Quand est-ce que je transgresse un interdit avec l'anida? Bien évidemment, l'otavo et l'anida n'est pas de rapport avec une nida. Il faut savoir, de halachot, il y a un interdit d'avoir un rapport avec une femme nida. D'accord? Même plus que ça, c'est précisé dans le petit fils d'Israël, ici en l'occurrence. Et il faut savoir, une femme qui est censée avoir les dates des règles d'une femme, ça se calcule, il faut bien comprendre, bien noter à chaque fois la date à laquelle ça s'est produit, puis ensuite vérifier est-ce que 30 jours après ou 32 jours, selon les écarts types, c'est très complexe qu'il y a dans Nida, définir, on va estimer à partir de quel jour elle est censée avoir elle-même ses règles, et le jour où elle est censée avoir ses règles, on n'a pas le droit d'aller avec elle. D'accord? C'est une halakha. Que si elle a eu ses règles, disons, un soir, le premier du mois, et bien le premier du mois d'après, par exemple, la nuit, on n'aura pas le droit d'avoir un rapport avec elle, parce que elle est
censé avoir, ses règles au bout d'un mois, au bout d'un écart type. Il y a plusieurs halakhot comment définir, c'est pas là notre sujet. D'accord ? Alors maintenant, si le Beit Din s'est trompé, il nous a dit non, il n'y a pas d'obligation de se retirer, de s'éloigner de sa femme, tant qu'elle n'est pas nida, tu as le droit de vivre avec elle. Et il s'avère qu'en réalité, le Beit Din s'est trompé, parce que le soir où elle devait, où elle était censée retrouver, avoir ses règles, il s'avère qu'on n'avait pas le droit, on avait une obligation, un interdit d'aller avec elle. Mais ils intèrent Ben Israël que là-bas, il y a une mitzvah de s'écarter de sa femme lorsque ça arrive, ça, on a. D'accord ? Donc si le Ben Din s'est trompé sur cette halakha, c'est ce qu'on appelle le lota, c'est sur lequel on sera passible d'apporter un korban relève, un par élève d'avoir chaque tzibour. Maintenant, c'est quoi la mitzvah assez chez Banida proche, une anida, retire-toi de l'anida. C'est une notion qu'on avait déjà appris déjà dans Maseret Shabbat, il y avait d'ailleurs la même Mishnah, qui nous disait comme ça, si un homme avait, pendant qu'il était en train d'accomplir la mitzvah tabait, pour parler poliment, il était en train d'accomplir sa mitzvah tabait, en plein milieu, sa femme lui dit, oi, 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 je sens que j'ai un écoulement. Elle sent qu'elle a eu l'anida, qu'elle a en ce moment, son sang qui a commencé. Alors il faut savoir, une halakha, l'homme n'a pas le droit de se retirer tel quel. Il doit rester figé et attendre que l'érection passe et se retirer ensuite. S'il se retire tout de suite, il y a en cela un interdit sur lequel il sera possible d'apporter un korban khatat. Pourquoi ? Chez Rishato, Yetziato, Ana, Ilo, Kebiato. Comme ça, la Gemara nous dit, se retirer, ça procure un certain plaisir, que tu n'avais pas le droit de le prendre, étant donné qu'elle est nida, tu n'as pas le droit d'avoir ce petit plaisir. De ce fait, il faut nécessairement attendre que le kishouille passe. D'accord ? Pour parler poliment, on ne va pas trop détailler. Attendre que ça passe, et après se retirer. Il y a marqué comme ça, Noet Tsipornav Bekavaka. C'est-à-dire qu'il se... Je ne sais pas comment c'est possible concrètement, Sheloneda Mitsarot Kaelou, mais en tout cas, se figer comme ça jusqu'à ce que ça lui passe. Seulement après se retirer. S'il se retire tel quel, transgresse là un interdit, et il devra apporter un korban khatat s'il ne connaissait pas cette halakha. Tout simplement, comme c'est écrit, et de ce fait, la Mishnah maintenant nous enseigne, si le Beit Din s'est trompé sur une telle halakha par exemple, alors c'est le cas type où il faudra apporter un par élève d'avoir Shem Tzibur. Idem encore, s'il ne sait plus, il a un doute de Hashem Talouï, est-ce que sa femme elle a été comme ça ou elle n'a pas été comme ça, je ne sais pas exactement, est-ce que ça s'est passé ou pas, c'est un peu dur à imaginer, mais en tout cas, il y aura un korban Hashem Talouï sur un avoir pareil. Pourquoi ? Parce que tout simplement sur la faute de la Nida, c'est un khatat kevoua, c'est un khatat fixe. De ce fait, Beshogeg, à cause du Beit Din, du Sanhedrin, on devra porter un par élève d'avoir Shem Tzibur, un taureau national, et s'il a eu un doute, alors il devra porter un Hashem Talouï. Et surtout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.